Déjà, est-ce que c'est efficace? Pourquoi c'est efficace? Parce que c'est très, très en vogue. Et là, sur 60 millions, on a fait une enquête. Oui, on a testé plusieurs fois, effectivement. Alors, c'est efficace pour enlever le chlore, donc ce qui est une bonne nouvelle. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que, du coup, l'eau, une fois qu'elle est déchlorée, elle est beaucoup plus fragile et ça peut devenir un véritable bouillon de culture si on la conserve mal. Et souvent, les gens pensent qu'une fois qu'elle est filtrée, cette eau est merveilleuse. Non, il faut la consommer dans les 24 heures, il faut la garder au frais. Donc, il y a cet élément. Mais ça enlève que le chlore ? Alors, ça enlève aussi. Sur les nitrates, nous, on a mesuré, ça n'enlève pas beaucoup les nitrates. Certains ions, quoi. Mais... L'intérêt, ça ne marche pas très bien non plus sur les minéraux, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que autant les garder. Donc finalement, le principal intérêt c'est sur le goût. C'est aussi simple de mettre de l'eau du robinet, vous la mettez au réfrigérateur pendant une heure et vous avez cassé le goût du chlore tout aussi bien. Pour dire les choses clairement, si une eau n'est pas potable avant de la mettre dans la carafe filtrante, elle ressortira pas potable après. Non, ça ne va pas améliorer. Oui, ça ne va pas rendre l'eau potable. Non, mais les gens l'achètent pour ça quand même, globalement. Ils ne l'achètent pas honnêtement pour le goût. La majorité des Français l'achètent parce qu'ils pensent que ça va rendre l'eau plus propre à la consommation. Que pour le goût. Et alors ensuite, effectivement, il peut y avoir, donc il y a des filtres. Et à l'usage, certains filtres peuvent relarguer des particules qui elles-mêmes ne sont pas forcément très bonnes à ingérer. Donc la grande difficulté, c'est d'une part que les gens pensent que ça va améliorer l'eau, ça n'améliore pas l'eau, voilà, si ce n'est clair, le goût. Et d'autre part, que en plus, ça peut l'altérer si on ne l'utilise pas comme il faut.